Bonjour à tous. Aujourd'hui, c'est un jour important parce qu'on va utiliser ça, la télécommande, qui va démarrer le moteur et la transmission. On va contrôler tout ça ensemble. On va tester pour la première fois la transmission. Donc, j'ai allumé la moto, j'ai allumé la télécommande et on va essayer de mettre ça en route. Et ça a l'air de fonctionner. Et le frein aussi. Et maintenant, je vais essayer de freiner en même temps que j'accélère. Ça, c'est pour éviter que la moto, elle cadre dans les accélérations. Donc, on donne un petit coup de frein. Waouh, ça marche vraiment bien. Donc, on voit très bien la moto se tasser au freinage et se lever à l'accélération. Ça montre vraiment bien que la puissance, elle passe où elle doit passer. Et ça sent, malheureusement, vous ne pouvez pas le sentir, je sens très bien le frein. J'ai touché le frein. Ah, il est un petit peu chaud quand même. Je pense qu'il est à 40, 50 degrés au toucher, comme ça. Tant qu'il n'est pas à 70, 80 degrés, il n'y a pas de problème. Mais ça marche fichtrement bien. Yes, ça marche vraiment très bien. Je suis vraiment super content. C'est vraiment incroyable. Dire que c'est tout fait en impression 3D. Là, je fais un gros plan sur le frein arrière. Là, j'actionne. On voit en bas le levier et le frein qui bouge. Et on voit très bien le disque se déplacer, le disque flottant. Maintenant, on va mettre des gaz et on va freiner. Ça marche très, très bien. Maintenant, on passe au frein avant. On fait un petit test. Ça tourne bien. Ouais, ça freine. Ça freine très bien. Maintenant, je vais bloquer. J'arrive pas à le tourner à la main. Ah, vraiment, j'arrive pas. On voit bien, mes doigts sont tout blancs, là. C'est assez impressionnant. Dire que c'est de l'impression 3D. Je fais un gros plan sur les freins avant. Et là, on voit bien la plaquette se déplacer et le disque se mettre en place. Donc, le disque flottant et les pinces flottantes font très bien leur travail.